Voyons l'exercice des bridges. Donc la position en français, là, c'est la position du pont. Donc on va chercher à se placer donc sur le dos. L'exercice va permettre de mobiliser toute la chaîne postérieure, donc beaucoup l'arrière des cuisses, donc ce qu'on appelle les ischios, les grands fessiers et la région du bas du dos, la région lombaire. Donc on va chercher à se placer au sol. Donc là, tu poses ta tête, tu poses tes épaules, tu peux relâcher les bras encore. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'au niveau de la position des pieds, tu vas chercher à ouvrir les pieds un petit peu plus large que les hanches, d'accord, pour avoir une position stable. Tu poses tes talons au sol. Et là, je vais simplement te demander de décoller ton bassin en cherchant à pousser, d'accord, sur tes talons. Donc, appuie sur tes talons très fort et essaye de monter ta hanche le plus haut possible. Donc là, normalement, si tu places tes mains au niveau des fessiers, au niveau de tes lombaires ou au niveau de tes ischios, tu vas sentir toute cette zone contractée. Donc là, tu vas chercher à descendre sans poser les fesses complètement au sol pour garder une légère contraction, d'accord, au niveau de la chaîne postérieure. Et on va chercher à pousser et à remonter. Donc je contrôle la descente, d'accord, et je souffle et je remonte. J'inspire en descendant et je souffle, je redresse. Même chose, il y a une petite activation au niveau du transverse, donc au niveau des muscles profonds des abdos, d'accord. Et je contrôle, j'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Si ça c'est ok pour toi, on peut chercher à resserrer un petit peu plus les pieds pour la stabilité. On va décoller une jambe, d'accord, et on va chercher à faire exactement le même exercice. J'appuie sur mon talon qui est au sol et je contrôle sans poser les fesses au sol. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends, je souffle, j'inspire, je descends. Donc là, tu peux regarder le fait de travailler sur une jambe. Ce qui est intéressant, ça va te permettre de travailler un petit peu plus le renforcement de gainage, donc la stabilité, donc les abdos, d'accord. Et forcément, le fait de pousser que sur une jambe, le poids du corps, ben, forcément, tu vas travailler beaucoup plus la chaîne postérieure. Donc en fonction de l'exercice, en fonction de l'entraînement choisi, eh bien, tu pourras choisir des bridges à deux jambes ou des bridges à une jambe.